Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de cette carrière avec les Arkéa Samsic sur Pro Cycling Manager. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode numéro 1, je vous mets le petit lien en haut à droite. Et pour ceux qui étaient déjà là, on se souvient, sur le circuit des étoiles de Bessèges, on est allé s'imposer avec Florian Vachon. Aujourd'hui, au programme, on va se faire un petit tour en Andalousie et le début du Tour du Var. Pour ceux qui ont vu aussi l'épisode 1, le Tour du Var est un objectif pour notre sponsor. On va tout de suite aller voir l'objectif demandé par le sponsor, qu'on soit un petit peu au courant. Donc, on va voir de suite. Tour des Alpes-Maritimes et du Var, on doit faire un top 5. On va juste aller se renseigner sur le profil des étapes. La première, ok, deuxième et troisième. Donc clairement, je pense que ça va se jouer sur la troisième. On va mettre une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs, même si c'est pas un gros circuit, ce petit Tour du Var. L'importance est un peu plus grande que celle des étoiles de Bessèges, donc il va falloir aller s'imposer et faire au moins un top 5. Mais avant de commencer à faire ce petit tour du Var, on va aller se déplacer en Espagne, faire la Vuelta d'Andalousia. On va mettre quelques coureurs qui n'ont pas encore débuté leur saison, histoire qu'ils se fassent un petit peu les jambes. On aura ensuite le UAE Tour, qui, pour ceux qui ne connaissent pas PCM, on peut le voir dans le calendrier. Toutes les courses qui sont en bleu sont des courses de SIA World Tour, donc c'est-à-dire des courses majeures où il est important de bien performer pour récupérer des points dans l'optique de la montée dans la division supérieure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, je vais faire un petit récapitulatif. Vous avez trois divisions. La première, les SIA World Tour, donc ce sont les meilleures équipes, les plus connues. Donc il y a Ineos évidemment, il y a la FDJ avec Thibaut Pinot pour ceux qui suivent un petit peu le vélo. On a ensuite la Continental Pro qui regroupe des équipes de second rang, notamment les Arkéa Samsic. On est en Continental Pro et on a une troisième division qui est la Continental tout court. Et du coup, vous avez un système de points à chaque performance sur une course. Vous avez des points attribués aux joueurs et non pas à l'équipe. Donc du coup, chaque joueur a un nombre de points. Et arrivé au mois de juillet ou au mois d'août, je ne me rappelle plus de mémoire, je crois que c'est le mois de juillet, on peut re-signer des contrats. Il est important de re-signer les contrats des coureurs qui ont mis le maximum de points pour que notre équipe puisse avoir un maximum de points. Et on peut aussi aller chercher des coureurs qui sont en fin de contrat, qui ont eu des points durant leur saison, histoire qu'ils rejoignent nos rangs et qu'ils nous apportent leurs points. Et la somme de tous ces points fait un total. Et ce sont du coup les meilleures équipes qui accèdent en SIA World Tour. Donc j'espère avoir été clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi un petit commentaire et je vous expliquerai un petit peu mieux. J'espère que ça a été clair. On va passer directement du coup à la Vuelta Andalusia. Donc voilà, notre équipe est faite pour ce petit tour d'Andalousie. On aura comme leader Warren Barguil, épaulé par Diego Rosa, qui sera son premier compagnon pour aller chercher le top 5. On aura ensuite Eli Gesbert, qui pourra être là pour, pourquoi pas, le maillot de la montagne. Et après, on a pris quelques coureurs qui sont plutôt en forme en ce début de saison pour les faire un petit peu courir. Et du coup, on est parti pour cette première étape de la route des sols entre la Rábida et Hinojos. Et voilà, on se retrouve sur la ligne du départ. On va demander à nos coureurs de se placer devant. On ne va pas prendre les échappées aujourd'hui. On va juste protéger Warren Barguil. Toujours pas d'attaque pour le moment. Ça y est, ça attaque devant. Et c'est Juaristi qui attaque dans sa roue avec Söderlind et Esquerra. Mais ils ont du mal à sortir du peloton. Là, c'est Lindemann qu'on retrouve après les étoiles de Bessèges. Décidément, il est partout ce Lindemann. Et ça ressort avec Esquerra et Söderlind, qui vont, à mon avis, partir en échappée. Derrière, le peloton en file indienne. Ça ne veut pas laisser partir les échappées, j'ai l'impression. On va bien voir au fil de l'étape si une échappée arrive à sortir. Et nous, on va se retrouver dans quelques kilomètres. Et on se retrouve à 91 km de la fin de l'étape. Juste pour faire un petit point sur les échappées. Donc, Söderlind a réussi à sortir avec Esquerra. Au final, ils ont bataillé ferme avec le peloton, hein. Ça a duré quand même une vingtaine de kilomètres, mais ils ont réussi à sortir, ils comptent maintenant 2 minutes 22 d'avance, le peloton qui les a laissés filer. Donc voilà, deux échappés devant, le peloton derrière qui roule tranquillement. Nous, on est bien avec notre petit Warren Barguil, notre leader qui porte le numéro 91 et son maillot de champion de France, comme vous pouvez voir, le bleu blanc rouge de Arkéa Samsic. Donc voilà, tout est bien pour le moment. On va se retrouver dans quelques secondes maintenant pour la fin de l'étape.
Et on se retrouve maintenant à 14 km de la fin de l'étape. Les deux échappés qui ont été repris. Nous, on a fait notre petit train avec notre équipe. On a évidemment mis notre leader en dernière position, même si c'est pas un grand sprinter. On va accélérer dans la bosse, histoire de pouvoir lâcher quelques coureurs. Allez, c'est Jesper là qui va aller un petit peu s'employer pour donner un avantage à son équipe. Il est bientôt cuit, le Jesper. Il va pouvoir passer maintenant le relais à son compère. Et on va de suite enchaîner après avec Pichon qui prendra la relève. On est à 9 km de la fin de l'étape. Pichon qui va passer son relais. Ah, on va le mettre à 93% histoire qu'il carbure, mais sans trop se fatiguer. On a les coureurs juste ici de la Bora Hansgrohe. On est à 2,5 km de la fin de l'étape. Ça y est, ça sort devant et attaque de Schachmann. Et on va lancer le sprint ici. Rosa sur le côté gauche de la route qui va emmener Warren Barguil. On est à 1 km, la flamme rouge. Et c'est Warren Barguil qui lance maintenant son sprint. Est-ce que Warren Barguil va pouvoir aller chercher une petite place? Les sprinteurs vont s'adjuger évidemment les places du podium. Et nous, on va venir prendre la 6e place, j'ai l'impression. Non, 7e place avec Diego Rosa. La 8e pour Warren Barguil. Julien Alaphilippe termine, lui, 9e. Donc voilà, c'était pas une grosse étape aujourd'hui. Il fallait juste se placer pour pas perdre trop de temps. On va passer à la 2e étape de cette Volta d'Andalousia en espérant pouvoir aller chercher une victoire très rapidement. Je pense que dans la prochaine étape, on enverra un petit puncher devant pour aller choper les points de la montagne. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour les classements finaux. Donc voilà, on est sur la page du classement général pour le moment. Donc comme on a vu, pour l'instant il n'y a eu qu'une seule course. On a 11 secondes de retard sur Halvorsen. En revanche, au classement du meilleur grimpeur, on a les trois premiers puisque notre train est passé sur la ligne en premier. Donc on aura Lucas Ocean qui sera premier avec le maillot de meilleur grimpeur demain. En ce qui concerne le maillot blanc, on n'a personne et on est deuxième dans le même temps que les Ineos. Mais bon, ça c'est plutôt anecdotique. On va passer du coup à la 2e étape de cette Vuelta d'Andalousia. Et on se retrouve pour la 2e étape. C'est un contre-la-montre dans la ville de Cora del Rio. Un petit contre-la-montre de 8,6 km. Donc évidemment un contre-la-montre individuel. Pour ceux qui suivent pas trop le vélo, comment ça se passe? C'est-à-dire que chaque coureur part, il est tout seul et il va devoir faire le meilleur temps possible. Il n'y a pas de peloton, il n'y a pas d'échappée, chacun fait au mieux. Et donc du coup, on va simuler un petit peu tous les premiers départs et on va se retrouver dans quelques secondes pour le départ de Ocean. Et ça y est, nous sommes au départ avec Lucas et son joli maillot de grimpeur. On va lui dire de faire un effort. Lui, il a combien? Il a 68 en contre-la-montre. On va le mettre à 77 pour voir un petit peu ce que ça donne. On va accélérer le temps parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Donc le principal, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que la barre jaune soit quasiment en même temps que la barre à damier. Là, on a gardé un petit peu d'énergie, mais c'est normal, puisqu'il va y avoir une petite bosse dans quelques instants. On va lui demander de passer à 82. On a aussi Jesper qui va maintenant partir. On va le mettre à 77 aussi pour voir ce que ça donne. Ocean qui va pouvoir en terminer, et on va lui dire de finir complètement à fond. Et il finit avec un 16e temps à 20 secondes pour le moment du premier qui est TJ Van Garderen. On va passer maintenant à Elie Jesper qui est juste derrière, qui va attaquer la côte maintenant. On va le pousser à 85 d'effort curseur. La descente juste derrière. On va le baisser un petit peu. Est-ce que Elie Jesper va pouvoir aller chercher un meilleur temps que son compère polonais? Et non. Elie Jesper, 55e temps à 39 secondes de TJ Van Garderen, qui est toujours pour l'instant le détenteur du meilleur temps. Et nous sommes au départ avec Laurent Pichon, suivi de Anacona juste derrière, qui lui a clairement des stats pour aller chercher un podium sur cette étape. Et c'est parti pour Anacona, qui a un plus 3 aujourd'hui, grosse forme, 75 en contre-la-montre, 78 en prologue. On va lui dire clairement de donner tout ce qu'il a, et ce qu'il va pouvoir aller nous chercher un petit podium. Devant lui, on a un autre coureur à nous, c'est le Laurent Pichon qui, lui, clairement, n'a aucune espérance dans ce genre de course, même dans toutes les courses, hein, clairement. Il est là pour porter les bidons et faire tourner un petit peu les jambes. On va rester, du coup, sur Anacona, qui va entamer, du coup, la côte. On va le pousser un petit peu. Allez! Pour l'instant, Anacona qui a un 14e temps à 7 secondes de Remco Evenepoel, qui, lui, est clairement le gros favori, hein, la pépite belge. Qui devrait s'imposer normalement sur ce parcours. Anacona qui va en terminer. Il lui reste 1 km.
Est-ce qu'il peut tout donner là, notre petit Colombien? Allez, à quelques mètres de l'arrivée, et ça sera un huitième temps à 11 secondes. Très très bon temps de notre winner Andrew Anacona, qui vient prendre un top 10. C'est Warren Barguil maintenant qui va s'élancer sur la rampe de départ. Allez Warren, il faut limiter la casse aujourd'hui avec les plus forts. Il faut aller chercher un top 5. Allez Warren, c'est parti. On a derrière lui juste notre petit Diego Rosa qui va s'élancer. On va lui dire lui aussi d'aller chercher un bon temps. Et on va rester sur Warren Barguil. On va l'encourager. Notre champion de France qui, comme vous pouvez voir, n'a pas son maillot tricolore. Parce qu'il y a deux champions de France chaque année. Il y a le champion de France sur route, donc qui était du coup Warren Barguil. Et vous avez le champion de France de contre-la-montre qui du coup n'est pas Warren Barguil. Et donc du coup, il ne peut pas revêtir sa tenue en contre-la-montre. C'est pour ça que là, il a le magnifique maillot rouge des Arkea Samsic. Et il va en finir, Warren. Et ça sera un 56e temps à 35 secondes des premiers. Donc voilà, 35 secondes de Remco Evenepoel. Je pense que là, ça va être très très compliqué pour le top 5. Il va falloir s'employer dans les prochaines courses. Remco Evenepoel qui prend le maillot jaune devant Tony Martin et Primoz Roglic. Clairement, les favoris sont là. On va devoir aller batailler pour un top 5. Je pense qu'on aurait peut-être dû mettre Quintana, qui est meilleur que notre petit Warren Barguil en contre-la-montre. Au classement du meilleur grimpeur, ça ne change pas. C'est toujours le Polonais de la Arkea Samsic devant ses compères qui a le maillot. Pour le maillot vert du meilleur sprinter, c'est Christopher Alvorsen qui garde pour l'instant sa tunique. Le meilleur jeune, évidemment, c'est Remco Evenepoel qui, pour le coup, a presque tous les maillots sur son dos. Et la team Jumbo-Visma qui finit premier. On va du coup maintenant enchaîner avec la troisième étape de cette Vuelta Andalusia. Une étape clairement beaucoup plus vallonnée. Avec un petit sommet juste ici à quelques kilomètres de la fin. Il va falloir placer une attaque avec notre petit Warren Barguil. Mais avant de faire cette troisième étape de la Vuelta Andalusia, on va devoir choisir notre équipe qui va se déplacer sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On le sait, on a un objectif de top 5 pour cette course. Donc voilà notre équipe qui va aller se déplacer sur les routes du Var. On a comme leader Nairo Quintana, même s'il n'est pas en très grande forme. Il va devoir aller nous chercher un petit top 5, bien aidé par Florian Vachon qui sera le meilleur puncher derrière lui. On a clairement une équipe qui est faite pour les vallons. Donc on va directement commencer avec cette première étape entre le Canet des Morts à Ceylan ou Ceylance, je ne sais pas, je ne connais pas. On a notre petit Nairo Quintana avec nous, en espérant qu'il puisse se placer parmi les meilleurs. C'est clairement un objectif du sponsor, hein. Il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Que ce soit sur la Vuelta Andalusia, même si ce n'est pas un objectif, et sur les Tours des Alpes, qui en est un. Thibaut Pinot, qui est sur cette course avec Dylan Teuns et Sébastien Reichenbach. De gros gros coureurs sur cette course. On va dire à nos coureurs de se placer juste devant. Voilà qui est fait. On va demander à nos coureurs de protéger notre petit Nairo Quintana. Florian Vachon, Anthony de la place sont de la partie. Bonamour, Hardy. Donc Hardy va protéger. Voilà, on va faire comme ça. Et on va mettre Bonamour dans la roue de Quintana en tant qu'équipier. Et on va laisser les échappés prendre le devant. Ils vont aller s'adjuger les points en haut des côtes qui sillonnent ce parcours. Et nous, on va se retrouver, je pense, par là, près du mur de Montauroux, à quelques kilomètres de la fin de l'étape, pour la montée finale vers Ceylan. On se retrouve maintenant à 1,5 km de la côte de 4e catégorie, la dernière côte. On va essayer de passer en tête avec Romain Hardy. Pour aller chercher les points, il n'y a plus d'échappée. On va maintenant faire l'effort. Allez Romain. Et voilà, il va passer en tête au sommet de la côte du Muron. Romain Hardy qui prend quelques points et qui vient se classer 5e pour le moment. Ça sera, je pense, notre coureur qui va aller chercher le maillot à poids dans les jours à venir. On se retrouve à 9 km du mur de Montauroux. Le dernier col de cette étape, dernière petite côte avant l'emballage final. On va clairement faire notre petit train tout de suite. Maxime Bouet, Romain Hardy, on va dire à Maxime Bouet d'accélérer un petit peu. On va mettre juste derrière un Bonamour. On va garder de la place avec nous. Vachon, de la place Quintana. On va mettre le Danois en automatique. Le petit train de la Arkea Samsic qui est en place à 3 km de la côte.
on va dire à Maxime Bouet d'accélérer là et de tout donner dans les premiers hectomètres de cette côte. Allez, on va essayer d'imprimer un gros tempo là pour essayer de lâcher les meilleurs sprinters. Voilà, Maxime Bouet qui donne tout ce qu'il a là. On va passer Romain Hardy dans quelques secondes. Romain Hardy qui s'élance et qui prendra les points du coup. Romain Hardy qui va prendre 6 points et qui va revenir dans la course au maillot à poids. Voilà, Romain Hardy qui passe ex aequo au niveau de ce petit maillot à poids. On a du coup Bonamour derrière qui va continuer l'effort. Le Danois qui a complètement lâché l'affaire. On n'est plus que 29 dans le groupe du peloton. On est à 8 km de la fin de l'étape et c'est Bonamour qui donne les derniers coups de pédale avant de laisser la place à Florian Vachon. Allez Franck, voilà qui est fait. On va passer maintenant Florian Vachon en tête du peloton. On imprime toujours un gros rythme. Le peloton qui commence à perdre des unités. À 6 km de la fin, attention à l'attaque sur le côté gauche de la route. Là c'est Brunel qui essaye d'emmener son équipe pour Thibaut Pinot j'imagine. On va donner le gel à Delaplace qui va pas tarder à passer. Florian Vachon qui emmène parfaitement ses compères. Magnifique là le travail de Florian Vachon, le vainqueur des étoiles de Bessèges. Attention, c'est parti, l'emballage final. C'est Delaplace maintenant qui va passer à 3 km de la fin et qui va emmener Nairo Quintana sur un plateau. Est-ce que le Colombien va pouvoir aller s'imposer en haut de cette petite côte? Delaplace. Oh, il est bien emmené là, le Nairo Quintana, vraiment. On va accélérer un petit peu. Allez, c'est parti. On va lancer le sprint avec Nairo Quintana maintenant. Allez, allez Nairo, tu peux le faire. Essaie de gratter quelques places. Voilà, c'est Thibaut Pinot, je pense. Non, c'est Dylan Teuns qui va aller s'imposer juste sur le fil devant Eking et Anthony Turgis. On va prendre, nous, avec Nairo Quintana, une 7e place dans la roue de Thibaut Pinot. Les favoris sont bien présents. Ce n'est que le début du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va se retrouver après la course de la Vuelta Andalusia pour la 2e étape. On se retrouve maintenant pour la 3e étape de la Vuelta Andalusia entre Utrera et Lucena. On a notre petit Warren Barguil qui doit aller récupérer les secondes perdues lors du contre-la-montre avec notamment la petite côte à 8,7 km de la fin de l'étape. Tout va se jouer dans cette côte. Je pense que si on bascule parmi les favoris ou même en tête de cette côte, derrière il y a très peu de kilomètres à faire. Il va falloir tout donner dans la petite côte de la fin de l'étape pour aller chercher un bon podium. Ça y est, nous sommes au départ de cette 3e étape en Espagne. On va demander à nos coureurs de se placer juste devant, comme d'habitude, histoire d'éviter d'être piégé à l'arrière du peloton. Donc voilà, on va simuler un petit peu toute l'étape. On va se retrouver dans quelques secondes à quelques kilomètres de la côte de 3e catégorie, la Alto de la Primera Cruz, qui sera le juge de paix à mon avis de cette étape, et peut-être même du classement final de ce Tour d'Andalousie. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Et on se retrouve à 10 km de la côte de 3e catégorie avec le petit train de la Arkéa Samsic qui a été effectué. Pichon devant qui va donner le maximum d'efforts pour emmener ses coéquipiers. On va accélérer un petit peu l'histoire de mettre tout le monde dans le rouge. Et on va placer une attaque avec notre petit Warren Barguil. Et c'est maintenant le détenteur du maillot à poids qui va passer le relais. Pichon va pouvoir aller se reposer dans les roues. C'est j'espère qu'il va bientôt aussi pouvoir passer devant tout le monde. Allez, on est maintenant à 5 km du sommet de la côte. Il faut tout donner. On va donner le gel à tout le monde. J'espère qu'il va passer. On va le mettre à un effort de 94-95. Allez, à fond. Rossa juste derrière qui va pouvoir lui aussi donner tout ce qu'il a pour son leader Warren Barguil. Ça y est, c'est Rossa qui passe. On est maintenant à 1,8 km. Allez. On va bientôt lancer Anacona maintenant dans le bain. Anacona juste devant Warren Barguil. Et on est à 600 mètres maintenant. Et c'est Warren Barguil qui va aller attaquer. Allez Warren.
Allez, les deux hommes qui sont sortis, Warren Barguil un petit peu en avance. Il a 7 km à faire maintenant, Warren. Il a quelques secondes d'avance sur le peloton. Derrière lui, il y a un coéquipier. Anaconda va essayer de rejoindre notre petit Warren Barguil pour aller l'aider. Voilà qui est fait. Allez, Anaconda qui va pouvoir maintenant tout donner pour son leader. Allez, 9 secondes d'avance à 3 km de la fin de l'étape. Est-ce que les deux compères de la Arkea Samsic vont réussir à aller chercher la victoire? Est-ce que Warren Barguil va pouvoir récupérer quelques secondes? Allez Warren, c'est à toi de lancer ton sprint maintenant. 1 km 4. Allez. Allez Warren. Allez. Et oui, il va aller s'imposer notre petit Français, le champion qui va aller lever les bras sur la ligne de cette étape à Lucena, vainqueur devant. Ça sera Rüdiger, Selig et Primoz Roglic qui viendront s'adjuger les deuxième et troisième places. Alaphilippe termine quant à lui cinquième. Anaconda, qui a énormément aidé son leader, finira septième. On va regarder au classement final si Warren Barguil a récupéré quelques précieuses secondes sur les favoris pour intégrer le top 5 de cette course en Andalousie. Mais quelle finale là, clairement, de la part des deux hommes de la Arkea Samsic. Warren Barguil qui a clairement bien été aidé hein, par le Colombien et qui va pouvoir lever les bras sur la ligne une nouvelle fois. Le ralenti est magnifique. Au classement général, c'est Anaconda qui est 6e pour le moment à 12 secondes. Warren Barguil s'est replacé, il revient dans la course, il est 13e. Il avait 36 secondes de retard. Grâce à cette victoire et aux bonifications, il a réussi à passer 13e à 20 secondes. Warren Barguil qui revient tout doucement dans la course au top 5. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape du Tour du Var. Et la voilà, cette deuxième étape du Tour du Var, avec notre petit Nairo Quintana qui doit aller chercher le top 5. On s'en rappelle, c'est un objectif du sponsor. On se retrouve au départ de cette étape avec les maillots distinctifs qui sont devant. Comme à chaque fois, on va demander à nos coureurs, quant à eux, de se placer devant. Voilà qui est fait. On va ensuite demander aux plus faibles de protéger les meilleurs coureurs. Malheureusement, Quintana a un moins 3 aujourd'hui. Il va falloir qu'il pioche dans ses réserves pour aller chercher une bonne place. Anthony Delaplace devant qui va sortir. Allez, on va essayer d'envoyer Anthony Delaplace devant. Malheureusement, il ne peut pas sortir le Français. Ça roule vite là pour le moment. Il va pouvoir du coup se mettre dans la route Nairo Quintana. On a le maillot à poids qui est déjà sorti tout devant. Il y aura donc Chevrier devant avec Ventoso, Maleki qui porte le maillot de meilleur grimpeur, qui va pouvoir aller défendre ses places. Le champion des États-Unis dans leur roue. Et derrière, on a le peloton qui revient fort. Est-ce que les 4 hommes de devant vont réussir à garder cette avance? Pour l'instant, ça roule vraiment très fort en tête du peloton. Mais personne ne veut prendre à son compte la poursuite des échappés. Je pense que du coup, les 4 hommes vont pouvoir aller se disputer les sprints intermédiaires et les côtes. Et nous, on va se retrouver dans quelques secondes à quelques kilomètres de la dernière côte de cette étape, la côte des Tulières, où on va devoir tout donner avec Nairo Quintana. On se retrouve maintenant à 4 km au pied de la côte de deuxième catégorie. Cette dernière côte qui va du coup être montée par les coureurs. C'est Florian Vachon qui emmène le peloton avec Bonamour juste derrière. On va donner le gel à tout le monde. On va espérer que Nairo Quintana, malgré sa méforme, puisse suivre le rythme de ses coéquipiers. Nairo Quintana, on peut le voir, hein, qui a clairement des notes pas terribles aujourd'hui. Moins 7 en endurance, moins 7 en résistance. Ça va être très très compliqué. Mais il va falloir qu'il tienne. Il va falloir aller chercher une excellente place là. Et puis la route qui est étroite en plus. Donc il faut bien se placer, être dans les premiers. Et c'est Hardy qui va bientôt passer maintenant. Voilà qui est fait. Romain Hardy qui emmène le peloton. Attaque sur le côté gauche de Reichenbach et de Xandro Meurice. Hardy qui donne tout. Et c'est Reichenbach qui est maintenant devant. On a quelques coureurs dans ce peloton. Le peloton qui est maintenant constitué de 16 hommes pour les derniers kilomètres. On a heureusement quelques coureurs pour aider notre Nairo Quintana, malgré clairement sa mauvaise forme de la journée. C'est Hardy qui va pousser un petit peu sur les pédales. Maintenant Maxime Bouet qui va passer et on va mettre Anthony Delaplace dans sa roue. Nairo Quintana qui est bien placé, hein. Je pense que tous les favoris sont là. Il y a peut-être quelques favoris piégés, on l'espère en tout cas. Est-ce que Nairo Quintana va pouvoir aller chercher
une place et récupérer du temps. C'est surtout le temps qui va primer aujourd'hui. Allez, Maxime Boué qui donne tout là. C'est Anthony Delaplace qui va passer maintenant. Et Nairo Quintana va être après livré à lui-même pour les derniers instants. On a une attaque sur le côté gauche de la route. C'est Nicolas Hédé qui essaye de sortir. On va mettre Anthony Delaplace dans sa roue directement. Voilà qui est fait. Anthony qui aura bien ramené l'attaque de Nicolas Hédé. Et c'est maintenant Bouchard et Skulins qui essayent de sortir. On est à 5 km de la fin de cette étape. Et Delaplace qui emmène toujours Nairo Quintana parfaitement. Anthony Delaplace qui essaie de combler le retard. On va maintenant dire à Quintana de prendre la roue de Reichenbach. Anthony Delaplace a fait son travail. Quintana qui va suivre Reichenbach. Quintana qui est maintenant à 2 km de la fin de l'étape. Quintana qui va essayer de se placer correctement. Allez Nairo, il est bien placé là Nairo Quintana à 1 km. Allez c'est parti, on lance le sprint final. Nairo Quintana qui est au centre de la route. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher une quatrième place? Oui, il va du coup être quatrième de cette étape. Victoire de Tom Skulins devant Thibaut Pinot et Dylan Teuns qui vient encore prendre un podium. Nairo Quintana qui finit quatrième de cette étape. C'est plutôt un bon résultat pour Nairo Quintana qui n'était pas dans une grande forme. Il aura pu résister aux attaques, résister à la dernière petite côte, bien aidé par la team Arkea Samsic et ses coéquipiers. On va du coup maintenant regarder les classements finaux pour voir si Nairo Quintana a pu grappiller quelques places. Au niveau du classement général, Nairo Quintana est 6ème à 14 secondes de D-Line Tunes. Skulins derrière et Pinot ferme la marche. Au classement du meilleur sprinter, Nairo Quintana est 6ème avec 23 points. En ce qui concerne la montagne, on n'a pas envoyé aujourd'hui Romain Hardy dans l'échappée. Donc il est 3ème maintenant derrière Camille Maleki et Clément Chevrier. Pour les moins de 25 ans, Franck Bonamour est 4ème. Et en termes de classement par équipe, c'est la team Arkea Samsic qui est premier. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. On va regarder rapidement ce qui nous attend pour la prochaine vidéo. Lors de la prochaine vidéo, on finira la dernière étape du Tour d'Andalousie. Il va falloir aller chercher la victoire avec Warren Barguil. On finira aussi le Tour du Var avec la dernière étape, la Londe des Morts, Montfaron, où Nairo Quintana va devoir être en forme pour aller chipper au moins une place qui lui permettra d'intégrer le top 5 qui est l'objectif du sponsor, on s'en souvient. On commencera aussi par la même occasion le UAE Tour qui nous emmènera sur les routes des Émirats Arabes où on mettra notre meilleure équipe possible. Ce sont des courses de SIA World Tour, les courses les plus importantes qui permettent d'avoir un maximum de points en vue du classement de l'équipe. Donc on mettra notre plus grosse équipe sur le UAE Tour, on aura d'abord un prologue, puis après quelques étapes de plat, on aura la montée du Jebel Afet pour la troisième étape et surtout la montée du Jebel Jais. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette carrière avec Arkea Samsic. D'ici là, il y aura du Football Manager. Quant à moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis ciao !